Michèle Bernier est connue pour son franc-parler. Si elle a traversé plusieurs épreuves difficiles au cours de sa vie, la comédienne de 67 ans n'a jamais perdu son optimisme et sa fraîcheur. À l'occasion d'une interview accordée à Téléstar, à découvrir en kiosque ce lundi 21 août, celle qui renouera prochainement avec son personnage de Constance Meyer dans La Stagiaire a évoqué son rapport au temps qui passe. Interrogée sur sa présence récurrente dans La Petite Licorne, comparée à d'autres actrices de son âge, l'intéressée a déclaré « Parce que je ne dois pas être si mauvaise et que je ne vieillis pas trop mal, sans chirurgie, sans rien. » A-t-elle plaisanté ? « Je n'ai jamais été la femme qui faisait rêver, je pense que si est-il plus facile. » On ne se dit pas que j'ai pris cher, on se dit, elle est encore bien, a-t-elle observé. Ce n'est pas la première fois que Michèle Bernier se confie à ce sujet. Invitée de l'émission Boomerang sur France Inter en 2021, la mère de Charlotte Gaccio s'était épanchée sur la question de l'âgisme. L'âge, si est-il celui que les autres vous donnent? Moi j'ai 65 ans aujourd'hui, mais j'ai l'impression que je ne les ai pas, à part 2-3 trucs que je ne peux plus faire, mais ce n'est pas très grave, avait-elle alors déclaré. Et l'ami de Laurent Ruquier d'observer, à 60 ans, on devient transparente. On n'intéresse plus les hommes si on est célibataire, parce qu'ils préfèrent les plus jeunes. On est trop vieille pour acheter un appartement à crédit et trop jeune pour vendre le sien en vie âgée. On vous veut d'un côté et puis de l'autre côté, on ne vous veut pas. Si est-il bizarre, a détaillé l'ex de Bruno Gaccio. Michèle Bernier cache sur les diktats de la minceur. Michèle Bernier est bien dans sa peau et ne se gêne jamais pour le faire savoir. En juin dernier, auprès de nos confrères de Télé Loisirs, celle qui a campé le rôle de la mère d'Alexia Daval dans un biopic diffusé sur TF1 a partagé quelques confidences sur son rapport à l'image. À 67 ans, elle ne prend pas en compte les nombreux diktats de la minceur qui sont encore actuels, pour beaucoup, dans notre société. Pour cause, d'après ses dires, l'ancienne jurée de Mask Singer n'a jamais été considérée comme une femme glamour qui faisait tourner la tête aux garçons. Michèle Bernier se considère autrement. J'aimerais encore penser que je suis une femme aimable et appréciable, même si je ne rentre pas dans du 36, a-t-elle fait savoir à ce sujet. Car aux yeux de la fan des Spice Girls, être maigre ou mince pour être heureux, c'est une fausse idée du bonheur. Cette idée est, selon elle, erronée puisqu'elle culpabilise et complexe de nombreuses femmes. Crédit photo, Tiziano da Silva, Cyril Moreau.